Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle chronique du bus. J'espère que vous allez bien. Et bien, nous allons continuer nos aventures sur Horizon Châteauroux Métropole V3 avec la mise à jour 3.3 qui vient de sortir au moment où je fais cette vidéo. Ça vient tout juste de sortir, voilà, ça a été enregistré quelques jours avant sa diffusion. Aujourd'hui est un épisode qui est très spécial dans les chroniques du bus puisque aujourd'hui nous fêtons les 10 ans de ce format sur la chaîne. Et oui, déjà 10 ans. Déjà 10 ans que le 9 mars 2014, ce format emblématique de ma chaîne voyait le jour. Et 10 ans plus tard, et ben voilà, ce format est encore d'application sur ma chaîne. 10 ans plus tard et 148 épisodes après. Même si sur les 10 ans, il y a quand même eu 2 ans de pause sur ce format, et ben voilà, nous sommes toujours là 10 ans plus tard pour ce nouveau format. Aujourd'hui, eh bien, vous l'avez vu, petite particularité de cet épisode, je vous ai mis le trailer de la toute première chronique du bus, celle qui est sortie il y a 147 épisodes, le premier épisode sorti il y a 10 ans pour fêter cet épisode anniversaire de ce format qui vous plaît toujours autant, puisque c'est un format qui, lorsqu'il était sorti, m'a quand même permis de tripler mon nombre d'abonnés sur la chaîne en un an. Bon, à l'époque, c'était une prestation assez exceptionnelle. Bon, les temps ont changé. On a vécu pas mal d'aventures, pas mal de pérégrinations, pas mal de maps, pas mal de bus, et choses diverses et variées. Mais aujourd'hui, eh bien, nous continuons nos aventures. Donc, je dis sur HM V3. Maintenant, HM V3.3, le patch 3.3 vient tout juste d'arriver. Et ce patch, ça rajoute notamment la célèbre ligne CM1, qui apparemment, de ce que j'ai compris, serait un remake de la célèbre ligne S4 d'Horizon 16. Pour ceux qui connaissent Horizon 16, et ben voilà, et bien la fameuse ligne S4 que les gens kiffaient sur Horizon 16 est de retour sur Horizon Châteauroux Métropole depuis la dernière mise à jour. Elle relie donc le lycée agricole à Villers-les-Ormes, ligne que nous allons parcourir avec un man Intercity LE que voici dans sa variante 43C. Donc la variante 40. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris à quoi correspond le 32C, 33C, 42C, 43C. Je vais vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Alors c'est un véhicule que vous pouvez trouver avec le DLC Man Intercity LE disponible sur Steam pour 18 €. Donc voilà, il est disponible sur Steam si jamais ce véhicule vous intéresse. Nous sommes donc avec la livrée Rémi qui est l'exploitant réel sur cette ligne. Donc Rémi est un vrai exploitant, donc nous avons les vraies couleurs de cet exploitant. Avec une livrée qui est pleine de couleurs, diverses et variées. Ça change clairement du gris qu'on peut voir sur d'autres livrées, donc moi je trouve ça chouette qu'on peut mettre en avant des petits exploitants régionaux comme ça. Voilà, donc en tout cas la ligne qu'on va faire aujourd'hui fait une petite demi-heure. Voilà, alors cette mise à jour 3.3 d'HM n'a pas juste rajouté la CM1, il y a également deux lignes flexo qui ont été rajoutées avec cette mise à jour. Et apparemment de ce que j'ai vu, ça a corrigé pas mal de petits bugs que les gens ont signalés par rapport à la carte qui est arrivée entre-temps. En tout cas, sachez que la semaine prochaine, je ferai la ligne 7 sans problème pour l'épisode 149. Et peut-être pour que pour l'épisode 50, ben voilà, on fera le quatrième et dernier épisode sur Châteauroux Métropole, où voilà, nous ferons une des lignes flexo. Je n'ai pas encore décidé quelle ligne flexo je vais parcourir. Voilà. Ou alors peut-être que la semaine prochaine, bon, je vous fais une ligne 7 la semaine prochaine et la semaine d'après, une petite dose sur vos 100 marnes pour les 150 épisodes, je pense que c'est bien. Voilà, bref, nous verrons bien. Je vois aussi qu'on a un service RP aussi, que je viens de voir, ça, je découvre ça en même temps que vous, je l'avais pas vu. Voilà. Bah écoutez, on va faire cette ligne-là. Départ dans 15 minutes, parfait. Entre lycée agricole et Villers-les-Ormes, donc on fait, si vous voulez, on fait un petit peu. On va dire, on transporte les enfants. Les enfants, ouais, super. On va donc transporter les écoliers du lycée agricole jusqu'à leur petit village de Villers-les-Ormes. Au niveau du tableau de bord, ben voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur la gamme Man Lion City. Les Lion City qui sont la réponse à Man, enfin, c'est la réponse de Man au Citaro de chez Mercedes. Ben, chez Man, ils ont sorti la gamme Lion City. Et la gamme Intercity, elle, par contre, sont des cars qui peuvent être comparés à des Crossway Elo de chez Iveco. C'est un petit peu le concurrent des Crossway Elo d'Iveco chez Man. Des véhicules qui sont tout récents parce que sachez que la gamme Intercity LE date de 2023. Donc c'est une toute nouvelle gamme qui vient d'arriver sur le marché européen. Et d'ailleurs, sachez qu'au moment où je vous parle, il y a le créateur du DLC qui a annoncé qu'il allait sortir une mise à jour avec la variante 15 mètres du véhicule, si jamais ça vous intéresse. DLC qui est disponible actuellement en version 12 et 13 mètres, chacune avec deux configurations différentes. La version où vous avez la demi-porte avant. Et la version où vous avez la porte avant complète. Nous avons la version avec la demi-porte avant, la version 3C. La version avec la porte complète, c'est la 2C, je crois. Voilà.
Donc on débarque dans 13 petites minutes, ce qui me laisse largement le temps de vous montrer le véhicule que vous avez peut-être pas très bien aperçu. Un véhicule que je trouve très très chouette à conduire personnellement. Enfin, si vous aimez les véhicules interurbains, voilà. Donc là, nous avons un véhicule extrêmement moderne par rapport au dernier épisode où on était avec un Agorel. Là, voilà, nous avons un véhicule qui est quasi neuf, on peut même dire qu'il est neuf. Ah, ça veut dire qu'il n'y a pas de pression dans le véhicule. Voilà, quand vous avez cette petite sonnette qui apparaît, ça veut juste dire que le bus n'a plus de pression. Il faut juste allumer le moteur et attendre que ça gonfle, tout simplement. Alors, vous voyez qu'ici, nous pouvons mettre le tableau de bord en français en cliquant sur le drapeau. Voilà, comme ceci. Donc là, vous tapez le code qui est le 210-52 et C150-67. Parfait. Voilà, donc numéro de la ligne, je vais regarder dans les codes IBIS. Je regarde. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, sachez aussi que cette mise à jour vient également corriger des bugs d'annonce vocale que certaines personnes ont eu. En fait, c'est une grosse mise à jour de presse quand même qui fait presque 300 mégas. Et les créateurs de la carte en ont profité pour refaire une archive complète au propre avec tous les éléments qu'on leur a signalés manquants. Donc si jamais vous n'avez pas su installer la map dans la version V3 la semaine passée, et ben voilà, les créateurs ont ressorti une nouvelle archive au propre avec plein de trucs qui manquaient. Plein de correctifs divers et variés, notamment sur le fichier off qui avait quelques problèmes. Des corrections d'annonces vocales manquantes, voilà. C'est un très 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 gros truc. Par contre, je sais pas comment tu programmes la ligne. Je vais essayer ligne 444, tiens. 444, route 1. Bah écoute, on va essayer. C'est pas bon. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va mettre manuellement avec 92. Voilà. Oh, stylé l'afficheur. Dépôt ne prend pas de voyageurs. Stylé. Bah écoutez, c'est pas grave. On peut mettre la jurette manuellement à l'ancienne. Voilà. CM1, Villertézan par R. Roland, Giraudoux et CFA. Magnifique. Je vais le dire magnifique. Busman, magnifique. J'ai le temps de vous montrer un petit peu l'intérieur du véhicule. Voilà. Je rappelle que nous sommes sur un véhicule de DLC que vous pouvez trouver pour 18€ sur Steam. J'avais déjà fait une vidéo avec ce véhicule il y a un petit moment, mais c'était de nuit et on n'avait pas très bien vu tous les détails du véhicule parce que le DLC est sorti depuis un petit moment. Et c'est un DLC que j'aime bien parce que ça change de voir ce que j'ai construit. Donc nous avons la deuxième porte qui ont des portes coulissantes. Alors il me semble que dans les 7 bars tu peux changer pour avoir des portes normales. Alors oui, la petite palette au milieu, vous pouvez l'ouvrir. Normalement. Alors sachez que c'est un véhicule où il y a pas mal d'options de personnalisation de cette VAR. Vous pouvez changer des détails comme la porte, les sièges intérieurs, des petits détails comme les trappes ici, les girouettes je crois aussi. On peut choisir d'avoir une girouette normale ou une large girouette à l'arrière. Bon, ici nous avons une girouette arrière normale, mais on peut avoir une girouette qui est beaucoup plus grosse à l'arrière, que je trouve personnellement plus stylée, mais bon, ça c'est mon avis. Voilà. Il y a quand même pas mal d'options pour personnaliser le véhicule, donc voilà. Et bien sur ce, on va avancer un petit peu le temps et on va aller se mettre à l'arrêt pour commencer notre ligne. Parfait, voilà. Attendez, il y a mon pédalier qui glisse ici. C'est parti. Alors nous avons la version à boîte ZF du véhicule. Alors pour info, sachez que c'est un véhicule qui est assez silencieux, donc j'espère qu'on entendra bien un petit peu. Que j'ai remarqué en regardant un petit peu la rediffusion du dernier épisode qu'on m'entendait pas fort, parce que c'est vrai que la Agora il gueulait comme c'est pas possible. Ici je pense que ça devrait être un petit peu mieux parce que là on a un véhicule qui est beaucoup plus silencieux. Lycée agricole qui est également l'un des terminus de la ligne 7 que nous ferons dans un prochain épisode avec un autre véhicule. Enfin, c'est une extension de la ligne. Allez, on est parti. Je me souviens pas d'ailleurs que la S4 elle allait jusqu'au lycée agricole, je crois. Ça faisait Saint-Maur jusque. Allez, c'est parti. Ah, nous avons un bug avec le véhicule qui ne met pas le compteur kilométrique. C'est bizarre. C'est la première fois que j'ai ça avec un véhicule sur MZ. Bon, c'est peut-être un bug. Pourtant, regardez, quand j'appuie sur le frein, il y a des animations autour qui se mettent, c'est ça qui est bizarre.
Oh, regardez, il y a un accident. Ah oui, la Skoda s'est pris le piqué. Ah, c'est malin. D'ailleurs, vous pouvez constater en bas à votre gauche que la carte a été synchronisée sur Bus Compagnie. Ça veut dire que désormais, quand vous roulerez sur Horizon Châteauroux Métropole, ben voilà, vous aurez le GPS. Que vous ayez acheté Omni Navigation ou que vous ayez acheté Bus Compagnie Simulator, ben le GPS sera fonctionnel en bas à votre gauche. Alors ça monte pas. Aurais-je un bug avec le fichier off? Ah, bizarre. Bon, bah écoutez, vous savez, parfois MZ2 a des quelques petits bugs, on ne comprend pas ce qui se passe. Ou alors, vous savez, peut-être qu'ils attendent peut-être le 7 ou le 2, hein, c'est possible aussi. Bon, c'est pas grave, on continue. Hein. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous avez déjà pu télécharger à Horizon Châteauroux Métropole V3 et pouvoir rouler un petit peu dessus, que ce soit sur la 2, sur la 7 ou sur une des lignes Flexo, qui apparemment sont une des grosses nouveautés de cette mise à jour, donc les lignes Flexo qui dans la réalité sont des lignes à la demande. Mais comme je l'avais expliqué, malheureusement, les lignes à la demande sur MZ2, on ne sait pas les faire. Un petit peu dommage, soit. Ça, c'est bizarre, ce bug du compteur kilométrique. Ça doit être sûrement un problème avec les scripts. Bon, j'ai pris un peu le trottoir, mais je n'avais pas le choix. Alors, je précise qu'ici, nous sommes sur la version 43C, donc ça veut dire que nous sommes sur un 13 mètres avec la configuration interurbaine. En fait, il y a mon chat qui fait le con, magnifique. Donc en fait, vous avez le 32, 33, 42 et 43. Le premier chiffre indique la longueur, le 3 c'est du 12 mètres, le 4 c'est du 13 mètres. Et le deuxième chiffre, ça indique la configuration intérieure. Sur le 2, ça indique qu'on a une configuration avec la porte avant complète. On sera un petit peu plus axé pour des lignes où il y a quand même pas mal d'arrêts. Et sur le 3, c'est une configuration interurbaine avec la demi-porte avant qui, elle, sera plus axée sur des lignes interurbaines. Voilà, si j'ai bien compris un petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors, sachez cette semaine que j'ai été assez fortement occupé dans ma vie privée. Donc voilà, sachez que cet épisode, j'ai profité que j'avais à peu près 2 heures de temps de libre pour l'enregistrer. Car sinon, ça allait être un petit peu compliqué pour qu'il arrive pour ce samedi à 18h. Voilà. Alors, il était prévu initialement que je vous fasse un autre véhicule. J'avais envie de vous mettre en avant l'Evadis Line gratuit qui était sorti il y a quelques années. Seulement voilà, je n'ai pas trouvé de livrée Rémi sur le véhicule. Il y a d'autres véhicules que je voulais vous mettre en avant, comme le Man Lions Coach de Helvet. Seulement voilà, la livrée Rémi n'est plus disponible, malheureusement. Donc, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, je pense que après avoir connu le vieil Agora, un petit véhicule ultra moderne, vous n'allez pas dire non, je pense. Hein, voilà. Un bon petit autocar, un bon petit autobus interurbain pour faire de la ligne régionale, c'est cool. Voilà, prochain arrêt, donc Capucin. Donc, on ne fait aucun arrêt, donc on est un petit peu en express. Oula, oula. Le feu rouge qui arrive à la dernière minute. Bon, bah écoutez, c'est pas grave si on a personne. Alors, soit ça vient de chez moi qui a un bug avec le fichier off, soit j'ai un bug avec OMSI. D'ailleurs, pour la petite information, sachez que j'avais rapporté un bug avec le fichier off. Parce qu'apparemment j'avais constaté que les arrêts des nouvelles lignes n'étaient pas programmés dans le off. Donc j'avais essayé de reporter ce petit souci. Et apparemment ça a été corrigé dans la mise à jour. Donc bon, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, alors je me permets de vous poser une petite question, parce que la semaine passée, je vous l'avais posée, mais personne n'a répondu à mon interrogation. Est-ce que ça vous dirait que la semaine prochaine, on fait une dernière chronique de bus sur HM V3, 3.3 maintenant, puis on passe sur Voie-sur-Marne, puis on revient sur HM. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée pour varier un petit peu les plaisirs.
Et comme je vous l'avais expliqué la semaine passée, malheureusement, je ne serai pas capable de vous faire une carrière suivie, comme je fais d'habitude sur ce genre de cartes, simplement parce que je manque de temps pour enregistrer des vidéos par rapport à ça, et que je ne sais vous faire qu'une vidéo par semaine désormais. Parce que pour faire les carrières suivies, ça me demande un certain temps. Alors certes, les carrières suivies sont beaucoup moins montées que les chroniques du bus, mais quand même, il faut trouver le temps de faire les lignes, savoir quel bus je vais prendre. Ça prend un certain temps. Se renseigner un petit peu sur les lignes aussi, puisque vous l'avez vu, la ligne 2 qui fait 56 minutes, c'est long. Et comme je l'ai dit, ces derniers temps, j'ai un emploi du temps assez chargé. Donc c'est un peu compliqué de vous proposer ce format. Donc là, on est, je pense, sur la section la plus gourmande de la carte. D'ailleurs, pour la petite info, il semblerait que la NCM1, c'est une ligne surprise de cette version. Je ne sais pas ce que CM1 veut dire, d'ailleurs. Enfin, je pense que le créateur de la carte me répondra dans les commentaires sur la signification de CM1. Ouh là là, il y a quelques petits lags ici. Après, vous savez bien que OMSI 2 sans ses lags et sans ses crashs, ce n'est pas OMSI 2. Je me souviens pas que la S4, elle passait dans le centre-ville. Non, elle passe pas dans le centre-ville. Ah non, on n'a pas tout à fait la même ligne que la S4. En fait, je me suis trompé parce que j'ai vu Villers-les-Ormes, donc je me suis dit, ah tiens, on dirait la S4 d'Horizon 16. Bah, en fait, non, c'est pas du tout la même ligne, c'est... Elle a le même terminus, mais c'est pas la même ligne. Voilà. Et donc, du coup, pour la prochaine fois qu'on sera sur HM, ben voilà, on fera la ligne 7, quoi. La ligne 7 qui fait les silos Voltaire, les séries, quoi, si je me souviens bien. Mais là, nous ferons la ligne que de les silos à Voltaire, puisque vous avez déjà vu le terminus lycée agricole ici. Donc voilà, ce sera un petit peu une redite. Bon, après, j'imagine qu'ici nous sommes dans le centre-ville, donc c'est un petit peu normal que ce soit un petit peu plus gourmand. C'est bizarre qu'il n'y a personne qui veut monter dans mon bus. Pourtant, regardez, j'ai un véhicule qui est très moderne, madame. Il sort de l'usine en plus, regardez. Il y a le wifi, il y a les ports USB, il y a la climatisation, il y a tout ce qu'il faut, madame. Tout ce qu'il faut pour passer un voyage agréable. Oula, OMSI. Alors, comme je l'ai dit... Ah oui, écoutez bien. Alors normalement mon véhicule a le start and stop, mais ça ne semble pas fonctionner aujourd'hui. Ah voilà. Voilà, donc alors sachez que j'ai eu la réponse. À quelle ligne servait cette gare routière? Ben ça sert pour les lignes Rémi. Et comme nous avons justement une ligne Rémi, ben voilà. On m'a dit que c'était pour toutes les lignes du réseau Rémi qui s'arrêtaient ici à la gare routière. Les lignes d'Horizon Bus, elles vont s'arrêter un petit peu plus loin à Voltaire. Ça va se mettre correctement, voilà. Bon, correctement, je suis quand même monté sur la bordure. Hein. Bizarre. Bon. Ben, en tout cas, je pense que les créateurs de la carte verront cette vidéo. Ben voilà, il faudra garder parce qu'apparemment, il y a un petit souci. Je ne sais pas si ça vient du fichier off, mais les passagers ne montent pas, moi, quand je mets l'afficheur sur la CM1, Villers-les-Ormes. Ou alors, je me suis peut-être trompé. À quoi, c'est juste service scolaire? Ah, je pense savoir d'où ça vient. Ça, c'est parce que l'afficheur qui est programmé dans l'éditeur n'est pas le même que sur le fichier off. Et ça, OMSI 2, il n'aime pas. Voilà pourquoi. Bah écoutez, ce n'est pas grave. Puisqu'aujourd'hui, c'est juste un petit épisode où on découvre cette ligne.
Peut-être que chez vous ça fonctionnera. Épisode qui sera bien moins long que la semaine passée. On est quand même arrivé à 56 minutes. Là voilà, ça va être quelque chose d'un petit peu plus court. Bon, après, on peut aussi imaginer la situation comme quoi il y a congé pédagogique et le chauffeur de Rémi ne savait pas que c'était le cas. Pourquoi pas? Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ce qu'on pourrait appeler des congés pédagogiques. En gros, c'est juste une journée où tous les profs sont en formation. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France, mais par chez nous en Belgique, nous, on appelle ça un congé pédagogique. Voilà. Je ne sais pas si vous utilisez le même terme en France, mais... Allez, prochain arrêt, lycée Jean Giraudoux. Un arrêt qu'on n'avait pas vu, je pense, dans le dernier épisode. Oh, c'est joli, ça. Le petit logo horizon, là, ici. Hop. En tout cas, j'espère que quand on quittera un petit peu la ville, ce sera un peu plus fluide. CM1, donc on tourne à droite. Alors sachez qu'évidemment c'est un DLC que je vous recommande. Si vous voulez voir autre chose que des crossways ou... Enfin des crossways et des crossways le, bah voilà. Ces mannes sont vraiment chouettes. Même dans la vraie vie, il commence à y en avoir quelques-uns sur le... En Belgique aussi. Il y a un privé tech qui en a un, je crois, un ou deux. Et c'est vrai qu'ils ont l'air plutôt impressionnants dans la réalité. Quand vous voyez arriver ça dans la rue, ça ne passe pas inaperçu. Ouais, ça c'était le trottoir. Tout bon kebab. Alors, je n'ai pas dit, mais nous sommes sur une ligne de 30 minutes pour 7 arrêts de bus, donc on est vraiment sur de l'interurbain pur et dur. Et donc, c'est un véhicule qui s'y prête super bien sur cette ligne. Bon, sachez en tout cas que je regarderai un petit peu de mon côté ce qui se passe avec les afficheurs. Ah, ça a écouté. Voilà, ça y est, mon moteur s'est coupé. Voilà, puisque comme je l'ai dit, mon man... dispose du start and stop, donc ça veut dire que quand le véhicule est à l'arrêt, le moteur se coupe, comme un bus hybride. D'ailleurs, il me semble qu'il existe des versions diesel et des versions hybrides de ce man, en vrai. Voilà. Donc là, voilà, je vais appuyer sur la pédale d'accélération, ça va relancer le moteur. Voilà, hop, et on est reparti. La magie de la micro-hybridation et du start and stop. Alors je sais que certaines personnes auraient préféré voir un Ituro, mais j'avais envie de sortir ce man pour le mettre un petit peu en avant. Parce qu'il est vraiment chouette. Et puis les Ituro, voilà, c'est banal, t'en vois tout le temps. Et je crois qu'il commence à y en avoir en France aussi, des man Intercity LE comme ça. Attention, ne confondez pas l'Intercity et l'Intercity LE. L'Intercity, on est plus sur un car type Crossway Pro. Et l'Intercity LE, voilà, on est plus sur les gammes Crossway Low Entry. Ça, la différence entre les deux. L'Intercity, c'est plus un petit véhicule, un véhicule pour faire du petit tourisme. Et la version LE, bah voilà, c'est Low Entry, c'est vraiment pour des trajets interurbains. Ah, voilà. Alors c'est dommage que l'afficheur ne fonctionne... En fait, je connais pas le code précis pour mettre la CM1, parce que regardez, vous avez un petit système Ibis là, qui est très intuitif. On peut avoir des annonces vocales préprogrammées dessus. Il faut fouiller un petit peu les fichiers, mais j'ai vu que c'est un bus où tu peux faire des annonces vocales préprogrammées si tu le souhaites. Ça, c'est cool. Voilà, bah après, certains vont dire, ouais, mais Tecmons, c'est le même tableau de bord que la gamme Lion City. Bah, en soi, c'est normal, parce que même dans la réalité, c'est comme ça. Pourquoi un constructeur va s'amuser à faire un tableau de bord différent sur deux gammes de véhicules si c'est tout autant valable? Dans la vraie vie, les tableaux de bord sont aussi comme ça. Oui, voilà, c'est un peu comme chez Iveco, voilà, ils vont pas s'amuser à faire 50 000 tableaux de bord, c'est pour faire des économies. Après, oui, le tableau de bord de l'Urbanway est différent du tableau de bord des Crossway, ça oui. Mais je veux dire,
Ça, c'est eux qui ont décidé. Chez Man, ils ne se sont pas cassés la tête. On met le même tableau de bord sur Lion City et Lion Center City en faisant quelques légères petites adaptations. Le DLC Lion City que je vous recommande très fortement aussi, qui est vraiment chouette aussi. Je rappelle que les Lion City sont la réponse de Man à la gamme Citaro de chez Mercedes. Et je ne vous l'ai pas dit, mais les New Lion City font partie de mes bus préférés d'ailleurs. Je sais pas, je trouve ces véhicules splendides. J'ai déjà eu l'occasion de monter dans un New Lion City électrique, c'est incroyable. Je vous dis clairement, je préfère ce bus au E-Citaro, personnellement. Parce que je les trouve plus beaux, l'intérieur est plus lumineux et plus agréable, il y a plein de petits trucs. Je trouve aussi que le tableau d'or est un peu plus joli. Bon. Après, encore une fois, je sens que les Citarophiles vont dire « Non, le Citaro, c'est les meilleurs bus qui existent. » Je suis d'accord avec vous, il n'y a aucun problème. Mais après, encore une fois, ce sont les goûts et les couleurs. Hein. Moi, personnellement, je trouve que les New Lion City sont plus beaux que le Citaro. Bon, après, ça, c'est mon avis. Mais quand vous mettez un E-Citaro et un Lion City électrique à côté, bah, je trouve que le MAN est plus beau, personnellement. Voilà, tu sens que le MAN fait un peu plus bus haut de gamme. Il est plus lumineux, le design passe mieux. Il passe moins inaperçu, je veux dire, il passe moins inaperçu que le E-Citaro. Le E-Citaro, quand tu regardes, voilà, d'accord, tu vois qu'il arrive dans la rue, mais le MAN, lui, il passe vraiment pas inaperçu, le MAN. Ça se remarque. Ce bus a du flow, comme on dirait. Et mon chat qui est encore en train de faire le con. Vous savez bien, les chats, comment c'est. D'ailleurs, sachez que apparemment, il va y avoir une mise à jour sur ce DLC qui rajoute la variante 15 mètres au Lion Center City. Donc, pour ceux qui adorent les véhicules de 15 mètres, ben, vous allez être servis parce que c'est une mise à jour gratuite qui va arriver, on ne sait pas quand. Et si vous posez la question pourquoi c'était pas inclus de base, eh ben c'est juste que la variante 15 mètres n'a seulement commencé à être commercialisée qu'en janvier 2024. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas de base avec le DLC. Mais vous avez quand même les variantes 12 et 13 mètres, ce qui en soi est plutôt cool. Il y a un petit problème avec mon rétro, non? Ben, je crois que mon rétro n'est pas bien placé. Ah, ça tourne sur cette carte, hein. Pour ceux qui aiment les virages, vous êtes au paradis, hein. Il y a mon chat, je ne sais pas ce qu'il lui prend, mais il fait bien. Ouais, voilà, on voit qu'on commence à quitter un peu le centre-ville, c'est beaucoup plus fluide. Ah là là, c'est chaud de passer sans se prendre le trottoir quand même. Tu vois que les rues sont faites pour du 12 mètres, pas pour du 13 mètres, parce que oui, aujourd'hui je suis avec un 13 mètres, donc voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, la chronique 147, il y a une V4 et une V5 qui sont en préparation pour la carte, qui vont venir ajouter encore des lignes supplémentaires du réseau. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a pas mal de projets encore de prévus pour la carte. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il bug comme ça? Prends du temps pour quitter le. La centre-ville quand même.
Là, je roule peut-être un peu vite. En tout cas, je peux vous dire que les prochaines semaines vont être assez chargées en contenu parce que nous devons. Il y a encore au moins 2 épisodes sur HCM qui vont arriver. L'épisode sur Vaux-en-Marne, peut-être un épisode sur Berlin Ligny 300. Et j'ai aussi entendu des rumeurs comme quoi il y allait avoir une nouvelle version d'une map FR qui allait arriver courant du mois d'avril. Alors, quitte un petit peu la zone, urbaine ici. Donc voilà, autant vous dire que j'ai du contenu pour au moins les 5 à 6 prochaines chroniques du bus sans problème. C'est parti, plein gaz. Allez, petit man rugit. Ah, on sent qu'il est dans son élément. Oula, doucement, doucement, doucement. D'ailleurs, je vous laisse encore une fois le lien dans la description vers le Trello qui vous indique où en est le développement de la carte. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, lui? Allez, on va aller faire un petit détour par Brassieu. Qu'est-ce qu'il me fait le bus? Pourquoi j'ai une perte de puissance? Allez hop, zéro, hop, voilà, reset. La boîte qui pète un plomb. Bon bah hop, warning. Qu'est-ce qu'elle me fait cette boîte? La boîte du bus qui pète un plomb. Je parle de la boîte à vitesse. Ah, un autre joueur que nous croisons. Salut à toi, Caillou, surtout si tu regardes cette vidéo. Et nous voici de retour après une petite ellipse pour éviter que... Et puis je vous avoue que j'avais un petit peu la flemme de reprendre la ligne depuis là où sont-ils crashés. Donc on est à Brassieu. Bah écoutez, on va continuer un petit peu notre trajet. Brassieu qui fait partie des arrêts que de toute façon nous devons desservir. Donc voilà, on reste un petit peu RP. Vous savez, Homzy 2, les caprices. 16h22, bah écoutez, on va rester un petit peu. On va me mettre à 16h21. Voilà. D'ailleurs, vous constatez que nous sommes ici au terminus de la ligne 2. Parfait. Ah non, non. Voilà. Brassieu, parfait. Bah comme ça, voilà, vous verrez le reste de la ligne. Ça m'évitera. Parce que j'avoue que j'avais un petit peu la paresse de refaire tout l'épisode. Ah, start and stop, parfait, ça s'est activé. Toujours personne qui veut monter dans mon bus. Ah, je sais pourquoi. Les passagers ne veulent pas monter parce que c'est pas un nid de tourneau. C'est peut-être pour ça qu'ils disent on vous fait d'habitude, nous avons un nid de tourneau, on le crossway, et là on a un man. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là, les passagers sont. Ah bah regardez, vous constatez que depuis je n'ai plus le bug avec la police d'écriture. Mon Homzy l'avait méchamment bugué, je crois. Ah bah d'accord, je dois tourner comme ça, puis je tourne à droite. D'accord, d'accord. Donc je pense que dans les commentaires, vous n'allez pas m'en vouloir pour cette ellipse. Enfin, j'espère. Bon, allez, maintenant, je me tais et je vais vous laisser profiter du son du véhicule. Allez, je me tais. Je me mets en vue passager. Je vous laisse profiter du son du véhicule. C'est parti. Pas la version ZF. Oui, sachez que j'ai dû complètement redémarrer mais c'est tout de suite à son crash. Bon, après c'est pas grave, comme ça vous entendez les deux versions différentes.
Il a réactivé les collisions. Maintenant... Vous me dites deux qui active les collisions. Au calme. Même pas, il a même pas mis la... Mais c'est quoi ce bordel? Attendez. Ah ouais, moi j'ai des bugs très chelous avec mon PC. Enfin, avec mon OBSI. Allez, moi je veux être la seule personne qui a des bugs d'affichage de fenêtre comme ça avec Bus Company. En fait, oui, sur Bus Company, quand OBSI 2 crash et vous avez Bus Company activé, Bus Company a une fenêtre qui vous permet de relancer OBSI 2 et de reprendre la partie où elle était sauvegardée, où vous en étiez. Seulement voilà! Tu dois être la seule personne chez qui ces fenêtres n'apparaissent pas. Windows ne se prend même pas la peine de les charger en mode démerde-toi. Tu fais une extension vers fin de tâche et tu me casses pas. Gestionnaire de tâche pour faire mon petit 2 et tu me casses pas les pieds. Oui, bon, on sait. Bah, ça c'est pas normal parce que j'ai désactivé les collisions et OBSI 2 me les a réactivées. Bah va chercher la logique. OBSI 2, The Bug Simulator quoi. Donc faites comme s'il y avait. Il ne s'était rien passé. On va essayer de faire la ligne jusqu'au bout. C'est tellement plus joli que sur Horizon 16, ça c'est clair. Franchement. Enfin, personnellement, pour vous, au montage, vous ne verrez pas de différence entre le moment où on a crashé et le moment où on a repris. Mais moi je peux vous dire que j'ai senti la différence. Il m'a fallu au moins 5 à 10 bonnes minutes pour relancer OBSI 2. Donc entre le temps où je choisis le bus, la ligne, le point de spawn, tout ça, et le temps où je peux effectivement rouler, il s'est passé presque 10 minutes. Mais pour vous il s'est passé quelques secondes à tout casser. Ça c'est la magie des ellipses, la magie du montage vidéo, mesdames. C'est tellement pratique. Après, je pense que le slogan de OBSI 2, ça pourrait être « Tous les jours, un bug nouveau ». Je pense que ça veut dire « Ah ouais ». C'est là, on va rester sur la route, c'est peut-être mieux. Donc, alors je ne sais pas si ça vient de chez moi, mais sachez que ça fait quand même le deuxième crash que j'ai sur la carte en moins d'une semaine. Je ne sais pas si c'est mon OBSI qui n'aime pas la carte ou s'il y a un problème avec un objet ou une sprite qui fait n'importe quoi sur la carte, mais je pense que mon idée de faire un roleplay sur la carte va être un peu compromise. Hein. Voilà, alors oui, sachez qu'il y a un dépôt sur la carte, mais je ne sais pas si les HLP sont programmés entre le dépôt et les terminus les plus proches. Alors je ne sais pas près de quel arrêt le dépôt se situe. Donc faire un live roleplay sur cette map va être un peu compliqué. Mais sachez qu'ici je suis en train de regarder que une fois que j'aurai fait l'épisode de la chronique du bus sur le 120, qui sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, ben voilà, peut-être faire un live roleplay sur cette carte. Parce que c'est quelque chose qui apparemment. C'est une carte qui a énormément plu à l'époque où j'avais fait la première version. J'étais monté quand même à 5000 vues, donc ça. Ça avait vraiment carte de prod, non. Mon OBSI, il est vraiment en mode, non, tu ne finiras pas la ligne. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Il a même du mal à charger l'Espagne. Nous, on voit tout, monsieur. Eh, ça y est, regardez. Villers les hommes, notre terminus. On y est arrivé, après moult déboires. D'ailleurs, c'est aussi le terminus de la ligne 12 également. Zone 30, respectons-la.
D'ailleurs, pour la petite information, si vous souhaitez voir davantage de choses sur ce DLC Man, je vous renvoie vers le live que j'ai fait dessus il y a un an, je pense. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Où là, voilà, je vous montre à peu près tout ce qu'il y a dans ce DLC. On roule un peu, on se promène un petit peu. Tranquille. Même mon chat qui est en mode « Arrête de faire tes vidéos, occupe-toi de moi !» Voilà, je suis obligé d'aller sur le trottoir, là. Ouais, évidemment, comme je l'ai dit, Omzi 2 a réactivé les collisions tout seul. Omzi 2, il est en mode « Je vais t'emmerder !» Bam, réactive les collisions. Tiens, prends un mur invisible. Merci Omzi 2 qui active les collisions tout seul. Bon bah écoutez, je pense qu'on va terminer cet épisode sur ce giga fail. Bon bah de toute façon, on sera arrivé je pense au terminus, ça veut dire les ormes de toute façon. Bon bah. Et bien voilà messieurs dames, sur ces multiples déboires que nous avons eu dans cet épisode, on va se laisser là. Ça fait deux épisodes de suite où on termine avec des gros crashs d'Obzi. Bon bah je vous rappelle qu'on est sur un jeu qui est réputé pour faire des crashs et des bugs très bizarres. Bon bah écoutez, on va pas s'attarder plus loin parce que le museur invisible, je pense que il a un peu épuisé ma patience. En tout cas voilà, vous avez vu l'intégralité du trajet de la nouvelle INSEM 1 qui arrive avec la mise à jour 3.3 d'Horizon Châteauroux Métropole. Et je pense que c'est sur ce gros problème de mur invisible qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine pour faire la ligne 7 entre Les Silos et Voltaire, et qui par certains moments fait un terminus au lycée agricole. Sur ce, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Vous trouverez le lien pour le Discord de la map si jamais vous avez besoin d'aide pour l'installation, pour un objet ou quoi que ce soit, dans la description. Vous trouverez également le lien pour le bus, la map et le repaint, ainsi que pour le Trello, où vous pouvez avoir accès aux futurs projets qui vont arriver sur la carte, les futures lignes qui vont arriver dans les prochaines mises à jour si jamais vous habitez dans cette région et que c'est un réseau qui vous intéresse. Voilà. Allez, j'en peux plus, Omzi 2, il me dit clairement, arrête ta vidéo, gros, j'en peux plus. Allez, je vais arrêter de martyriser ce pauvre man, et nous allons arrêter la vidéo sur ces petits couacs de fin d'épisode. Allez, je vous retrouve samedi prochain à 18h pour un prochain épisode de la Chronique de Bus. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Techmons, à vous les studios. Bye.